Le Coude, c'est une petite île de 22 km de contour qui est au milieu du Saint-Laurent. C'est un endroit où est-ce qu'il y a du très bon vent, mais c'est un endroit où est-ce que la nature puis les conditions, en fait, changent vraiment rapidement. Moi, dans des conditions comme ça, ça m'appelle, en fait. J'ai encore plus le goût d'y aller, puis j'ai encore plus le goût de me prouver que je suis capable d'aller dans l'eau, puis que je suis capable d'avoir une session, que je suis capable de gérer à la fois l'équipement, à la fois le vent, à la fois l'eau, puis que ça fonctionne. Donc, je pense que le fait que tout ça, en fait, m'entoure, bien, que la compétition, je la vis aussi avec la nature puis avec l'environnement. Pour pratiquer le kitesurf, en fait, on a besoin du vent. On a besoin d'une surface d'eau qui peut être sous différentes conditions. Donc, on est très dépendant de la nature. On est très dépendant de ces changements. Si le vent baisse, si le vent monte, si j'ai besoin de changer ma voile, j'ai besoin de changer peut-être mes ailerons. Donc, il faut vraiment que je sois à l'écoute de ces changements-là pour être capable de modifier puis de faire des choix sur l'équipement pour être capable d'aller le plus vite possible. Mon rêve, c'est que le vent ait plus de secret pour moi. Donc, d'être capable de pratiquer puis d'être performante, en fait, dans n'importe quelle condition. L'objectif, en fait, c'est de faire du kite racing dans le plus d'endroits différents possible, dans des conditions le plus différentes possible, et d'être capable de défier la nature puis de s'adapter et de performer. J'ai cru que je pourrais autant adorer ça puis être autant dépendante du feeling que j'ai quand je suis sur une planche de race puis que tout mon corps est en position pour aller encore plus vite. Quand je fais du kite racing, ben je peux pas penser à autre chose. Là, c'est certain qu'à chaque fois, je vis le moment présent. J'adore ça. C'est quelque chose que je peux plus me passer, en fait.